© Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis extrêmement heureux de m'adresser à vous ce matin. Bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement éditorial d'une grande importance. C'est la parution chez Albin Michel de cet ouvrage consacré à l'histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen Âge jusqu'à nos jours. C'est sous l'impulsion de l'éditeur Jean Moutapa qui est ici qui va nous en parler et sous la direction scientifique du professeur Harkoun. Professeur Harkoun, vous êtes professeur émérite à l'université La Sorbonne Nouvelle et vous êtes professeur associé et attaché à plusieurs universités de par le monde. Et vous, Jean Moutapa, éditeur et aussi écrivain. Bienvenue à l'un et à l'autre. Merci. Bonjour. D'emblée, pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet qui est de taille. Oui, c'est une, euh, une grande aventure collective euh, qui a commencé il y a presque trois ans. Donc en fin de compte, pour un ouvrage comme ça, c'est relativement rapide. Je pense que la, la Genèse, euh, à vrai dire, il y a plusieurs réflexions qu'au sein des éditions Alba-Michel, on, on a eues. D'abord, bon, la première est évidente, c'est que l'islam euh, est à la une de l'actualité sans cesse. Et à la une de l'édition, et on assiste même à une sorte, je dirais, de, de, de pléthore de publications sur les dangers de l'islamisme, ceci, cela. Bon, euh, très bien, mais on a en fait peu de synthèses, peu de grands travaux de synthèse. Et il me semblait que la question de l'islam en France ou en Europe… Euh, ça ne date pas du 11 septembre, hein, ça ne date pas de, de, de la révolution iranienne euh, ou des années 80, euh, ça ne date pas de des, des grandes vagues d'immigration des années 60-70, ni même de la guerre d'Algérie. Ça date de, 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 de siècles, de siècles. De, de... Vous-même de... dites que c'est une question qui était attachée à la France avant même que la France fût France. Si on parle de, si on parle de 732, euh, cette fameuse. Bataille de, de Poitiers, plus ou moins mythique, c'est avant que la France soit une, oui. une nation. La, oui, bien sûr. Elle n'est même pas en construction. – Vous, vous avez beaucoup, dit voilà. mythique, le beaucoup, professeur Arcon, Arcon, vous parlez de mytho-histoire, ah, si ben vous ça, pouvez nous expliquer ah, ben tout ça. ça oui, oui. Alors vous êtes la caution scientifique de l'ouvrage. Euh... – euh, La caution, c'est trop dire, parce que les collègues qui ont travaillé euh, sont des spécialistes de très grand renom. On les a choisis et ils nous ont fait l'honneur et, et le plaisir aussi de collaborer à cette entreprise. Alors nous verrons tout à l'heure un peu sur quels critères les moi, auteurs... Je, personnellement, dans cet ouvrage se réalise une de mes préoccupations constantes, à la fois en tant que chercheur dans le domaine de l'histoire de la pensée islamique et aussi comme enseignant, donc quelqu'un qui transmet des savoirs à l'université et aussi au grand public à travers les conférences. L'idée principale, c'est d'être un médiateur culturel et intellectuel entre deux mondes, deux parcours historiques, le parcours européen de l'histoire et en particulier le parcours français à l'intérieur de l'Europe de cette histoire et le parcours de l'islam en tant que pensée. Et aussi en tant que culture et religion. Alors, ce, ce, euh, la présentation de ces deux parcours, euh, jusqu'à présent, n'a jamais été faite d'une façon réfléchie, systématique, coordonnée, avec l'accord, l'accord qui est manifesté dans ch chacune des contributions des grands noms, des historiens français qui ont collaboré à ce, ce travail-là. Je, je considère que c'est un très grand succès intellectuel et aussi euh, une sorte de manifeste de ce qu'est l'histoire en tant que métier, car c'est un métier l'histoire, c'est un grand métier. Et les historiens de métier, comme disent ceux, ceux qui le pratiquent, n'est-ce pas, sont tous là réunis pour dire des choses sur ce sujet capital, autrement que... Euh, ce, ce à quoi nous sommes habitués. Mais pardonnez-moi, je voudrais oui. revenir un peu à la, à ce, au début de l'histoire, euh, l'histoire de, de, de la genèse du projet. Oui, c'était un, une idée un peu folle, hein, quand même, parce que très chère aussi à, au niveau de l'investissement de l'éditeur. Euh, mais j'avoue qu'elle venait aussi de, ma, de mon côtoiement depuis des années euh, avec euh, le professeur Harkoun, c'est-à-dire avec ce, cet enseignement qu'il a depuis toujours. Euh, de mettre en évidence une histoire des mythologies. Oui. Hein? Euh, non pas une histoire seulement des faits, une histoire récit, je dirais, euh, des faits qui, qui, qui ont fait événement, mais une histoire de la construction des événements. Oui. Euh, on parlait de, 730, de 732, euh, c'est... C'est une escarmousse, euh, en réalité, oui, qu'on a mythifiée. C'est évident que euh, 732 est un fait. Mais ce fait est construit au cours de l'histoire, et notamment au XIXe siècle, c'est-à-dire bien longtemps après. Il, il est construit d'une certaine manière, en, et il évolue en fonction des idéologies de, de, de l'époque l'idéologie de la colonisation, l'idéologie de, 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 de la chrétienté, euh, etc. Donc, euh, voilà ce qui m'a vraiment poussé, presque obligé, à me lancer d'abord avec euh, Mohamed Arkoun, et puis ensuite à solliciter euh, les plus grands euh, historiens. Euh, sur ces sujets, c'était euh, un certain dépit, une certaine euh, inquiétude, même, je dirais, euh, par rapport à euh, cet éclatement des mémoires dans notre pays. Hein. Moi, je dis toujours, euh, notre pays est soumis à une, une mémorialite aiguë, hein, oui. c'est-à-dire oui, oui. une sorte de dysfonctionnement euh, pathologique des mémoires alors on parle les uns vont parler de la mémoire de la colonisation euh, les autres euh, vont défendre le monde archi les autres le monde pied-noir les autres vont parler de l'esclavage et toutes ces mémoires d'ailleurs là il y a quelque chose aussi de très dangereux toutes ces mémoires euh, particularistes je dirais vont vouloir euh, être en, se mettre en concurrence avec la mémoire Nationale. Victimaire, oui, mais la mémoire victimaire qui, qui fait, euh, comment dire, qui a été reconnue par la, par la nation en tant que telle, je, veux, je veux parlais de la mémoire de la Shoah, et il y a là quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'il y a dans ces pics la mémoire du monde noir aussi, de l'esclavage, etc. Alors justement, est-ce que vous pensez, professeur Harkoun que cet ouvrage répondra? À ces questions, à lever la méconnaissance, pallient euh, les différents problèmes. Et les historiens, qu'ont-ils à dire bah, Je suis persuadé, en tout cas, que la lecture de cet ouvrage va permettre euh, de découvrir un regard sur les cultures et les modes d'interprétation de ces cultures qui, jusqu'à présent, ont été en conflit permanent. L'islam est entré en conflit théologique avec les deux religions monothéistes précédentes dès le début. Parce que théologiquement, l'islam rompt à la fois avec le judaïsme et avec le christianisme. Et c'est un conflit théologique, c'est-à-dire ça touche au fondement même. De toute cette aventure monothéiste, en dépit de la filiation, et de tout, en de dépit spirituel. par ailleurs de la filiation. De la Alors aujourd'hui, le dialogue islamo-chrétien, le dialogue judéo-islamo-chrétien a plané tout cela. Moi, je mets l'accent sur cette rupture théologique qui va nourrir pendant des siècles euh, des, non seulement des ruptures, mais des conflits politiques constants qui se sont succédés, on va voir la succession. Et alors, au lieu de décrire ces conflits comme des événements politiques qui passent les uns après les autres, à chaque conflit ressurgit justement ce socle théologique qui intègre chaque conflit comme une plateforme de résistance et de rejet de l'autre, et le rejet est réciproque. J'appelle ça des systèmes théologique d'exclusion réciproque. Oui, et vous... Ça, parlez... c'est très important. Cette définition que j'ai donnée depuis très longtemps de l'histoire des trois théologies de, bon, le thé... pas des, des théologies en tant que structure dogmatique pour chaque communauté, mais de l'histoire, justement, de ces formations dogmatiques. Pour les croisades, par exemple, c'est évident. Et en même temps, je rajouterais, par ces conflits, chacun se définit une identité. Oui. Il est en train de se oui. définir une identité. Pour les croisades, c'est assez évident, puisque c'est là que naît au début la notion de chrétienté, c'est à l'encontre du monde sarrasin, la notion même d'Europe et d'Européens, les mots même hein, interviennent à l'occasion de ces conflits. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, bien on sûr, si on, de, si on fait la somme de tout ce qui est... Euh, nous avons trois quarts de guerre, de polémiques, de malentendus, de conversions forcées, de ceci, de ça. Ce, ce. Mais en même temps, ça fait partie de notre histoire. Nous ne nous serions pas définis nous-mêmes, je dis nous-mêmes, je dirais l'entité le, France et l'entité Islam, sans la présence de l'autre. Et on s'aperçoit petit à petit bah, qu'en fin de compte, c'est notre histoire commune. Et si, si ce livre pouvait servir à quelque chose... On se dise, malgré toute cette somme de conflits, etc., euh, c'est notre histoire commune, on le voit, la littérature, les arts, euh, la, la pensée française ne serait pas ce qu'elle est sans cette présence scandaleuse, euh, euh, polémique, mais sans cette présence quand même de l'autre. Est-ce que vous pensez aussi, professeur Harkoun, que ceci aidera les musulmans eux-mêmes à avoir un regard sur évident. leur propre histoire et le lien C'est absolument la France. évident, j'espère de tout cœur. Que dans tout le Maghreb francophone, l'Afrique francophone, mais j'espère aussi qu'il va être traduit en arabe, pour qu'il soit lu en arabe. Ou dans les autres langues Cet véhiculaires, de Va justement vider des abcès qui ne cessent de se refaire, si je puis dire. Nous sommes en train de vivre des moments qui ont été vécus depuis le Moyen-Âge, à répétition et toujours sur la base de la légitimité reposant sur la défense d'une vérité exclusive que chacun dit posséder à l'exclusion des deux autres. – Dans le cadre du ceci, ce, 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 ceci a couvert l'ensemble de l'espace méditerranéen, le, le concept d'espace méditerranéen comme espace d'histoire, mais d'histoire de la pensée de l'histoire des enjeux de pensée. Pas des enjeux de politique, de prestige, d'économie, de, 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 de stratégie, de domination, etc. Ça existe aussi. Mais il faut ce regard sur les enjeux intellectuels, sur les enjeux de connaissance de ces conflits, qui par ailleurs ont produit des tonnes et des tonnes de livres jusqu'à présent, mais qui, on le voit, pratiquement n'ont aucun effet, parce que nous vivons avec des passions. Et nous vivons plus que jamais avec des passions, et même des haines. Professeur Harkoun, vous avez parlé de passions qu'il faut savoir apaiser. Maintenant, revenons à, à l'élaboration de l'ouvrage. Comment ça s'est passé Le modus et operandi Comment avez, vous avez réuni les collaborateurs, les historiens, comment ça s'est passé Très simple. Hein, les... À vrai dire, l'autre constatation, c'était que, je dirais, les travaux, les recherches existaient. Oui. Simplement, elles étaient éclatées entre médiévistes, 16e, 17e, histoire du, de la guerre d'Algérie, du monde contemporain, etc. Et euh, il s'agissait de faire une grande synthèse, et, mais les auteurs euh, n'étaient pas très difficiles à, à, à trouver, les recherches extrêmement intéressantes et, et étaient là. Euh, ce qui nous a étonnés par contre, c'est euh, que, euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, lorsque euh, sous l'égide du, du, du professeur Harkoun on a lancé donc, les appels, euh, les réponses ont été quasi immédiates. Oui. Et ça, ça, les ça, historiens. Ça, ah, moi, 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 je, je, je craignais ça, parce que je sais combien nous sommes tous euh, écrasés de, de travail, d'emploi du temps. Écrire un article, promettre un article est quelque chose de terrible pour nous. Et, et, je, je, et non seulement euh, immédiate, mais souvent très enthousiaste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, je, je, je prends notamment les médiévistes, parce que c'est le, le, le cas. Et, est, est intéressant, euh, travaillant sur ces histoires. Alors, on a beaucoup, beaucoup plus de recul, évidemment, vis-à-vis -vis du Moyen-Âge. Donc, on peut travailler sur l'histoire des mythologies, l'histoire de l'image de l'autre dans l'art, dans la littérature, etc. Oui, Rappelons qu'il y a une soixantaine de collaborateurs et d'historiens. Oui, 70. 70, plus euh, oui, exactement. Euh, ouais, beaucoup, et donc, euh, et bien... les médiévistes euh, travaillaient, faisaient des travaux extrêmement intéressants sur cette histoire de, de, du, du, des mentalités, en, en quelque sorte. Euh, sans avoir beaucoup d'écho, enfin c'est-à-dire sans avoir surtout, euh, sans, faire, sans que le lien soit fait avec l'histoire contemporaine. Oui. Et donc tout d'un coup, ils étaient extrêmement euh, intéressés que leurs travaux aient une, euh, acquièrent comme ça une valeur citoyenne, je dirais, euh, pour être mis en écho avec l'histoire la, la plus contemporaine. Alors vous faites le lien justement ouais. pour cette question sur… Le contenu proprement dit, vous avez une répartition en quatre temps Moyen-Âge, temps moderne, temps, euh, la contemporanéité, oui. plus temps présent. Oui. Donc, euh, pourquoi ce soit Justement, pour, pour ça, nous avons beaucoup discuté, et nous avons appris ensemble, enfin, on, on s'est enseigné les uns aux autres. Comment insérer euh, le rythme d'évolution du côté islamique au rythme d'évolution historique du côté européen, ce qu'on appelle la périodisation de l'histoire. Alors en Europe, tous les manuels d'histoire nous disent, il y a d'abord l'Antiquité, bon, l'Antiquité on n'en parle pas puisque l'Islam commence au début du 7e siècle, donc Moyen Âge, temps moderne, temps contemporain, et en présent. Et, 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 présent, présent. Voilà, le rythme d'évolution que tous les Français connaissent, partagée, je crois, par l'ensemble des Européens des, ou disons des Occidentaux, les Américains aussi, ils entrent dans ce schéma, mais le rythme de l'islam est différent. C'est très important pour. eux. C'est très et, important. Ce et que là, là j'ai tenu à, à clarifier ça. Pour l'islam, le temps d'épanouissement, le temps de la grandeur. L'islam dans sa première grandeur, et c'est un titre d'ouvrage de Gaston Viette, qui était professeur au Collège de France, ou de Lombard, bref, c'est le 7 siècle jusqu'au 13 siècle, qui est le Moyen Âge en Europe, et comme on disait tout à l'heure, la France n'était pas encore tout à fait née. Elle, elle, elle va commencer à naître à partir du, du 9e, 10e, alors que l'islam était 9e, 10e, 9e siècle à Bagdad, c'était formidable. Là, c'est l'histoire de la pensée, c est, c est, ça concerne l'histoire de la pensée. À partir du, du 13e siècle, voilà, voici l'Europe qui, qui part, ascension continue, modernité, c'est-à-dire des sauts considérables dans le domaine de, non seulement de la pensée, mais de la connaissance scientifique. Et ça entraîne le domaine politique, tous les domaines. Et du côté musulman, c'est le retrait. Le retrait. Et le retrait par rapport à soi-même, pas seulement par rapport à l'Europe qui est là, contiguë. Et le, le retrait principal, c'est l'Empire le, le, ottoman qui démarre en 1453 avec la, 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 la prise de Constantinople. Euh, Jusqu'à jusqu la bataille de Lépante, 1571, c'est un grand moment de, 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 de l'histoire. De, de, euh, on s'est arrêté à la, à la bataille de, de, de Lépante parce qu'elle traduit les imaginaires de part et d'autre. Et, et donc là, il faut comprendre ces deux temporalités qui marchent en sens inverse. Et cette marche en sens inverse, nous y sommes aujourd'hui dans une sorte de point... Euh, le plus le, le plus profond ou je n'ose c'est pas culminant pour en tout cas c'est culminant pour les uns et, que, et, et pas du tout culminant pour les autres et ça c'est extrêmement éclairant bien Jean Moutapin quels sont d'autres y a-t-il d'autres dates un peu jalons dates références au cours de cette de ce grand pèlerinage cette visite de la tapisserie des siècles on a des dates si vous voulez ce qui est ce qui est intéressant bon, bien sûr c'est les dates par exemple la, la... L'expédition d'Égypte marque une, une, une rupture, enfin, dans, dans le, un, un grand début, à la fois un début dans la colonisation, mais un début, le, le début de, de l'orientalisme, les, les Saint-Simoniens qui, qui vont en Égypte, le début d'un réel intérêt avec euh, quelques conversions de Saint-Simoniens à l'islam, euh, qui, euh, qui auront des répercussions après, de, de, durant tout le 19e siècle. Mais ce qui est important, si vous voulez, on s'est attaché. Alors bien sûr, il y a des dates, et il y a chaque partie est euh, annoncée par euh, une grande chronologie avec les dates essentielles, parce que ça, il faut avoir des repères. Quand et puis même. Il y a des points, des contrepoints, des notabennes, c'est formidable, voilà. c'est extrêmement ah bah oui, bien. Mais, mais, pour aider le lecteur. Quand mais même, si oui. vous voulez, ce qui nous a intéressé, c'est les grands mouvements, quoi, hein, Les grands mouvements. Donc, euh, par exemple, tout le XVIIIe siècle, bon il ben, n'y a pas de, 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 de grande dates majeures, on peut dire. Et ce qui nous intéresse. C'est, euh, voilà, que pense les Lumières Que dit Diderot de l'islam Que dit euh, Rousseau Que dit Voltaire Quelle est l'évolution euh, de Voltaire Pourquoi Parce qu'il a lu Bougainvilliers, etc. Euh, voilà, ça, qu'est-ce qu qui s'est passé dans la pensée française dans ce rapport à l'islam qui a toujours été instrumentalisé C'est-à-dire que l'on parle des Sarrasins ou des Mahométans ou de l'indigène pendant la colonisation. Ou des morts. Ou du ou... travailleur nord-africain dans les années 60-70. Ou des têtes de Turcs. Ou, <laughs> ou du Turc. On instrumentalise toujours l'autre. On... L'autre est une étiquette derrière laquelle on, on met, par exemple. Euh... Alors on est, on est parfois étonné. On n'y met pas l'islamisme hein, qui n'existe pas encore. On y met, euh, au 18 XVIIIe siècle, on y met essentiellement un esprit de tolérance, ou alors le despotisme, mais un despotisme qui, qui s'accommode qui, euh, d'une tolérance religieuse qui n'existe pas en France après Louis XIV. Oui, oui un hein moyen Donc, justement de lutter contre l'intolérance vers l'apologie de l'islam. À ce niveau-là, c'est ce que fait aussi, d'une certaine manière, Lantaigne, qui, qui, qui a des paroles très intéressantes sur l'islam. Bien, professeur Harkoun cette approche n'est pas une simple succession, une présentation chronologique. Il y a d'autres aspects non, qui couvrent. Chaque article, le champ d'activité humaine. Chaque article appelle la réflexion, mobilise la réflexion du, de, du, ça du lecteur. Ça couvre il tous les donne aspects pas de comme humaine. ça en vague Mais par exemple, Jean Flori, quand il parle des croisades, eh bien. C'est terrible, c'est terrible, ce promis-là. C'est très profond. Parce pas que ça n'a rien à voir avec justement le discours de victimisation que nous connaissons depuis très longtemps. Il y a des aspects civilisationnels, culturels. c'est le... un regard critique des deux côtés. Et les deux côtés peuvent se regarder, agir en quelque sorte dans l'impossibilité de franchir. Les frontières, les frontières dans lesquelles ils sont prisonniers mentalement les uns par rapport aux autres. Ça, c'est une écriture de l'histoire absolument magnifique. Magnifique. Et ce type d'histoire a une fonction libératrice considérable. Je l'ai éprouvé personnellement avec mes, mes différents auditoires et je suis sûr et certain que ce livre... Par exemple, les, les professeurs d'histoire au lycée, nous pensons au lycée, ça va servir au lycée pour euh, présenter l'islam cette fois-ci comme un acteur d'un ensemble historique qui est la Méditerranée. Ça n'est pas comme protagoniste à mettre dehors ou à dominer, mais comme acteur est-ce qu'il y a Apparency. aussi des parties consacrées cette fois-ci, non pas à l'approche conflictuelle et d'opposition, mais aux échanges culturels et aux rencontres François 1er et… et – Ah bah oui, vous là. allez voir, et, François est magnifique et comme il apparaît, et Gilles Weinstein qui Charlemagne, qui, a, qui, non, qui nous a donné le... des, des, des articles vraiment magnifiques sur cette période, Gilles Weinstein qui est le professeur au Collège de France de l'histoire ottomane, et voilà, l'histoire ottomane, quatre siècles d'histoire et les Ottomans apparaissent comme un obstacle dans la Méditerranée. La piraterie, les barbaresques, etc., etc. Et, et là, c'est un acteur de l'histoire. Et chacun, je le répète, enfermé dans son univers de vérité, au pluriel, et, 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 qui converge vers la vérité fondamentale, qui longtemps a été la vérité religieuse et qui, après la modernité, devient la vérité de la modernité, c'est-à-dire ça continue. Et là, j'ai deux concepts, je, je ne me rappelle plus si je les ai utilisés dans l'introduction, qui pour moi sont des concepts clés, on peut peut-être prendre un peu de temps tout à l'heure pour les expliquer, c'est la mytho, je distingue la mytho-histoire et la mytho-idéologie. – Alors, oui, oui, mais… – La mytho-histoire, c'est l'écriture des historiographies, Soit des communautés religieuses, autant où les communautés religieuses euh, co euh, commandaient justement l'historiographie et, et orientaient l'historiographie. Et avec la modernité, ce sont les États-nations, c'est-à-dire les idéologies modernes. Alors, on passe de la mytho-histoire à la mytho-idéologie. La mytho-idéologie, mytho c'est tout ce que nous avons connu pendant la période coloniale. Et ça, cette mytho-idéologie, il faut la voir fonctionner comme nous voyons fonctionner au Moyen-Âge les imaginaires sociaux, animés par des références religieuses, et là, animés par une modernité qui est évidemment quelque chose de positif, mais qui, par rapport à cet acteur dans l'espace méditerranéen qu'est l'islam, va devenir quelque chose, justement. Il y a un portrait de Tocqueville. Nous avons été étonnés de trouver intervention de Tocqueville, ce grand esprit qui a écrit ces choses magnifiques sur la démocratie. Eh bien, à propos de la conquête de l'Algérie, il y a là. Euh... On dit souvent que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, hélas. Euh... Mais, non, non, mais, mais, non, oui, mais, non, mais il faut, non, mais faut conserver les deux. – Ce qui nous intéresse, c'est que c'est le même. C est, c est le ce même, qui bien nous intéresse, c'est Jules Ferry. C'est cette idéologie coloniale, par exemple, qui a ces deux versants-là, une idéologie d'expansion de, de, de la démocratie et de, 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 de civilisation, etc., et sans cacher, bien sûr, et les chapitres sont là, sur les actes barbares qui se multiplient et qui sont la négation même de ce discours idéologique. Et ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté de ces discours-là. Donc cet ouvrage, qui doit répondre à toutes ces questions, est destiné, le professeur Arcon a dit, à des lycéens, mais aussi à tous ceux qui veulent En tout cas, aux professeurs d'histoire, qui aux professeurs enseignent l'histoire au lycée, pour essayer de, de, justement d'apporter de, ce, ce que nous ne cessons d'appeler le regard sur les cultures et les systèmes de pensée. Et je dirais aussi, Et pas seulement euh, pour aux les citoyens, événements. je dirais à l'honnête homme, aux citoyens de ce début de siècle français, qu'ils soient qu musulmans ou non musulmans, pour, pour connaître sa propre généalogie. On termine par un contrepoint euh, long en, en guise d'épilogue, si vous voulez, de Abdelouham Medeb, Meddeb, qui parle de la double généalogie, qui est la sienne en tant que d'origine maghrébine, mais qui est la mienne. En tant que euh, français chrétien euh, non musulman, j'ai une double. Le, le, le lecteur citoyen français non musulman va se découvrir oui. une généalogie musulmane. Oui. Et oui. Bien, Et c'est euh... ça qui est. Qui, c est, c est, ça qui est si si vous voulez, est... Qui, qui, est un, qui est intéressant dans le. De toute façon, c'est passionnant ce que vous avez fait, ce que vous avez produit. Nos auras lui consacrer l'émission à venir. Celle-ci arrive à son terme. Merci, euh, professeur Harkoun. Merci, Jean Moutapa. Je présente vos ouvrages parce que vous n'êtes pas qu'éditeur, mais aussi écrivain. Vous avez euh, donc euh, commis cet ouvrage sur les religions en dialogue euh, chez Albin Michel. Et puis. C'est vrai qu'il y avait cette épopée de Choufani, du père Choufani en arabe face à Auschwitz, la mémoire partagée aussi. Professeur Harkoun, un de vos ouvrages, vos ouvrages derniers, c'est d'abord La pensée arabe, euh, au puf, et puis euh, Humanisme et Islam, Combat et proposition chevrin. Et puis, euh, chers amis téléspectateurs, euh, voilà l'histoire histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen Âge à nos jours. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour poursuivre autour de cet ouvrage et autour de cette question de l'islam et des musulmans en France et en Europe. Merci. À dimanche prochain. Excellente semaine.